Bonjour! Comment ça va ce soir? Tu vois qu'on a un petit peu de monde? Coucou, Lupe, Ingrid, Delphine, Véronique, Caroline. Ah, il y a Ipipi qui dit que le live n'est pas à jour. J'ai pas mis le nom, en effet. Ça y est! On commence à gagner des sous! Bon,
Bonsoir. Trop bien, merci à vous pour toutes vos commandes. Voilà, maintenant c'est brillé. Bonsoir Emeraude, bonsoir Rago, Martine, Cécile, Florence, Patricia, Kiki, et tous ceux que j'ai, Ophélie, Véronique, oh là, vous êtes tellement nombreux, ça c'est dur hein, maintenant de dire bonjour à tout le monde. Coucou Isabelle, Clara, Xavier, coucou. Oh, ça fait trop du bien de te retrouver Xavier, comment ça va? Est-ce que tu vas mieux que la dernière fois? Est-ce que ton karma est avec toi ce soir? Mouah. Coucou Colofab! Le TP, si tu vois mes messages sur YouTube, je compte sur toi. Je suis illuminé, parce que c'est le terme du jour. Je suis trop contente, nickel. Est-ce que vous avez des idées d'ailleurs? Alors j'ai vu qu'il y en a qui ont utilisé étincelle, d'autres briller, illuminer. Du coup, avez-vous des idées? Moi j'ai réfléchi à un petit truc, j'ai une petite idée, mais j'attends de voir un peu ce que vous allez me dire. Alors, une fée avec un diamant qui brille. Coucou Martine, coucou Anthony, coucou Gabriel. Vous avez dit un enfant allongé dans l'herbe qui regarde les étoiles et les constellations. Yes. Ça, c'est un peu compliqué. J'adore, hein, l'idée est trop trop belle. J'y avais pensé aussi. Mais... je trouve ça trop complexe en fait pour faire dessiner à tout le monde. Sankis dit une étoile. Ah bah au moins ça c'est sympa. Hélène veut du steampunk. Anthony. Anthony qui est derrière Conduit, c'est. Gabriel qui dit un cerf. Ophélie relance la fée avec le diamant. Ingrid un lutin avec sa lanterne. Il peint un chat qui aveugle avec ses dents un autre chat. Un portrait avec un diamant qui brille. Quelque chose, brille. Un steampunk. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait un peu steampunk? Salut les chats. Un nain dans sa grotte avec ses cristaux. Une fée illuminée par un feu d'artifice. Une fée d'automne. Avec une couronne brillante, un homme... je vous dis l'idée que j'ai eue. Alors, l'idée que j'ai eue, c'est en fait, c'est en... J'ai réfléchi à ça, c'est aussi pour que ce soit un dessin un peu plus simple à dessiner. Parce que, voilà, c'est vrai qu'on est allé souvent dans des choses complexes. Alors, je me dis, est-ce qu'on retourne sur des dessins un peu plus simples? Là, vous avez des tonnes de bonnes idées. Donc, j'hésite entre deux choses par rapport à ce que vous avez dit. Du coup... vous allez me dire ce que vous préférez entre un animal, en gros il y a une petite bougie, il y a un animal assis, les jambes écartées, entre ses jambes il y a une petite bougie avec qui étincelle avec le petit truc comme ça, et puis on peut choisir l'animal qui est assis, ou sinon on peut repartir sur un portrait... enfin une fée mais en assez gros plan, pas forcément entière, ou peut-être jusqu'au torse, et avec lui donner un petit côté steampunk et en ajoutant, alors je sais pas si on fait le côté steampunk, le côté brillant, est-ce qu'il est dans les coups, ou alors on lui fait un feu d'artifice qui sort de son chapeau. Coucou Betty. Moi j'aime bien la première. On te suit aveuglément alors. Animal et bougie.
Une fée qui souffle une bougie. On peut mixer les deux. Une fée un peu steampunk, ça peut être sympa, tu vas me dire. Ouais, parce qu'on peut la faire. En fait, on peut faire la fée assise comme ça, pareil, les jambes. Ça va reprendre un peu, tu sais, la fille du château de. Ouh, Florence Regalo qui a pris un pack malin plus brillé. Oh, un immense merci, Florence. Je croyais que t'avais dit de t'arrêter. C'est trop mignon. Merci à toi. Grâce à toi, on passe à 472%. C'est trop, 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 trop gentil. Alors, du coup, Florence, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on part sur la... pénis, pour avoir un gros non, pénis. Mais alors, Philippe, bon, tu vas me dire ça de l'autre, mais oh. On vient d'avoir une vieille pub. Enfin, je sais pas trop si ça s'appelle une pub. Florence. Florence est demandée à l'accueil. Yago qui fait Florence. C'est ton imitation d'un cotillon, ça? C'est ça, c'était un cotillon. D'accord. Salut Rosine. Du coup, Florence, je t'attends pour me dire ce que tu préfères dans les idées qu'on vient de dire. Sur le titre du live de demain, Sam, tu as écrit jour 28 au lieu de 29. Mmh. Ah, on sent que la fatigue commence à se faire connaître. Je veux que tu t'éclates, donc fais ce qui te fait le plus plaisir. Merci hein, Florence, mais t'es trop trop un amour. Franchement... De Dame 52 vous suit. Merci à toi. Salut Dom. Bienvenue dans la communauté du pinceau. Il y a Caroline qui dit que tu me donnes envie de me remettre à dessiner. Eh ben écoute, commence dès ce soir avec nous. Il y a Ago qui a fait moi. Il faut faire un petit bisou là sur Twitch. Ago est en manque. Et eh bien du coup, on va partir sur... sur... Wes... Qu'est-ce que t'as dit, Rosine? Une fée avec une pierre précieuse. Si demain c'est le 28, c'est cool, ça fera descendre plus. Oh, merci, merci. Merci, Marjorie. Bref, Marjorie, pour ton pack. Renouveler les 5 coriages d'un coup. Oh bien, 474%, merci, merci, vous êtes trop des amours. Et il y a Caroline qui dit un corbeau qui est entre les deux mondes et la bougie. Ah, l'idée est jolie aussi. Un portrait avec des étoiles dans les cheveux. Ah, j'aime beaucoup ça aussi. Ah ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime beaucoup l'idée du portrait avec les étoiles dans les cheveux. Ouais, c'est sympa. Hein? Trop bien. Je crois qu'on va partir sur ça, j'aime bien. Arrête, j'ai pas envie de changer d'heure. Moi, je crois que je reste à l'ancienne heure. Tac. Demain, ça veut dire qu'on fait le live. Hein? Il sera quelle heure du coup? Oh, je sais pas. Moi, ça m'embrouille, ces horaires, j'en ai marre. Non, mais ça va. On est à l'heure de l'ordi, donc bon. Ah ouais, allez, le portrait avec les étoiles, j'aime beaucoup. Ah, Florence aussi, elle aime bien. Donc, c'est parfait. Allez, on va se lancer, les loulous. Ah, je suis contente. Ouais, je vous avoue, là, je suis... Je suis trop heureuse. Ça y est. Ouais, il est dur à remonter la lumière. C'est vrai que ce serait mieux comme ça. Mais en fait, plus elle est parallèle à la table, et meilleur sera la. Et moins on aura de surexposition. Alors. Florence qui fait, on va gagner une heure de sommeil. Ben non. Oui. Si, on a une heure de sommeil. Ben non. Attends, Florence, on a essayé de calculer avec Sam. Si c'est ça, tu t'es trompé, mon amour. Non, on perd.
Oui, on change d'heure d'avant, mais à chaque fois, c'est... Non, en hiver, on gagne une heure. C'est l'été qu'on perd une heure. Oui, on va gagner une heure de sommeil, mais du coup, mais non, on se lève plus tôt le matin. Mais non, si on gagne un sommeil, on ne peut pas gagner plus tôt. Mais non, Sam. Alors, à chaque fois, avec Sam, tous les ans, je suis obligée de m'expliquer. Okay. Demain matin, tu m'as dit que je me réveillais à 20... Moi, je me réveille à 9h, et en fait, enfin, quand je vais à 9h sur l'horloge, tu m'as dit qu'en fait, c'était, je me suis réveillé à 8h. Donc, j'ai pas gagné un sommeil. Non, 10h. Attends. Non, soit t'as tort, soit... En octobre, on recule d'une heure. Et normalement, on est d'accord que si on recule d'une heure, on gagne une heure. Oui, on change d'heure et pipi. On dort une heure de plus. Mais si on a une heure de plus, on se lève, il fera nuit. À 3h, il sera 2h du matin. Donc, si tu t'es trompé, c'est bon pour nous. Non, tu t'es trompé du coup, ma chérie. Ah non, on a une heure de plus. Oui. À 3h du matin, il sera 2h. Donc, c'est ça dire bien que ça. C'est bien parce que le lundi matin. Quand pour les enfants, ce sera un peu moins dur. Et le mercredi matin, quand on va partir, on va se réveiller. Notre horloge biologique, on se réveillera à 9h et en fait, ça sera 8h. Oh, c'est bon ça! Bah oui, c'est trop bien! Mais ça marche que le jour du changement. Soit t'as tort, soit t'as raison. Non, c'est que du coup, tu t'étais trompé dans ton que tu m'avais dit. Tout ce que je sais, c'est qu'il fait nuit tôt et que ça a des prix. Ah, je suis tellement d'accord. Alors, en gros, je vais afficher la feuille de là-bas. Oui, on cause là. Et donc là, on va faire un pas à pas. Et tous les gens qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook et sur Twitch, qui le souhaitent, le suivent, font des dessins. Et à la fin, dans une heure et demie, chacun pourra envoyer son dessin via un petit site web. Et du coup, on pourra regarder les dessins de tout le monde. On pourra voir ce que chacun a réussi à faire en suivant les directives de... Les plus anciens suivent plus ou moins les directives, parce que du coup, à force, ceux qui font ça depuis un petit bout de temps commencent un peu à prendre des libertés. Donc voilà le principe de nos lives, Dom. Ok, j'ai depuis un an, je vais le faire avec plaisir. Une feuille, un crayon, on fait du pas à pas. Donc là, c'est un portrait d'une fille qui a des yeux dans les cheveux. Et puis à la fin du live, alors maintenant, on prend le temps d'ancrer et de mettre un peu en couleur. Et ensuite, on regarde tous les dessins de tout le monde. Oui, mais les autres pays, en fait, ils ont leur d'hiver tout le temps. Du coup, moi, j'aime bien le fait de changer d'heure parce que ça veut dire que l'été, on a des journées qui finissent plus tard. Donc ça, c'est cool. Mouah ! Allez, on va se lancer. J'avais besoin de le dire. Alors, vous vous rappelez comment on commence les portraits ? On va faire... Alors, on va se laisser de la place au-dessus, d'accord ? Parce qu'on va y mettre des étoiles. Donc, on laisse de la place au-dessus. Mais on prend quand même de la place, hein, parce qu'on est en mode portrait. Donc, en gros, vous laissez un quart là au-dessus. Et puis, un autre un petit peu en dessous. Et vous faites un 9. Alors, je fais plein de traits pour avoir quelque chose, pour sentir que c'est symétrique. Voilà, jusqu'à ce que je trouve que c'est à peu près... symétrique. Go qui vient d'en faire moi. Alors... Au milieu de ce portrait, on va faire une croix. Pour les nouveaux, là maintenant j'ai mis un filtre pour qu'on voit bien les traits de positionnement. Donc Laure appuie très très peu sur son crayon. Donc pour qu'on puisse voir, j'ai mis un filtre, c'est pour ça qu'elle a les mains rouges. Ça veut dire que tant qu'elle a les mains rouges, il faut appuyer pas fort. Faut vraiment pas appuyer sur le crayon parce que ce sont juste des traits de construction. Maintenant, j'adore faire les portraits alors que c'était le plus impressionnant au début. C'est trop bien!
Mais en fait, ouais, les portraits en pas à pas, c'est vraiment le plus dur, je crois, que de tout, c'est les mains. Les portraits, c'est du gâteau à Bonsoir. côté. Du coup, on a nos deux traits. Le trait au milieu du rond, c'est le trait pour les yeux. Donc, de chaque côté, on va venir faire une amande. Il faut que de chaque côté, ce soit à peu près de la même taille, avec entre les deux yeux l'espace d'un œil à peu près. Alors moi j'aime bien faire mes yeux assez grands. D'habitude je fais plus rond. Là ce soir j'ai envie d'essayer plus amande, un peu moins grand, un peu moins grand ouvert. Je veux tenter autre chose. Donc voilà. Est-ce qu'on lui fait les yeux ouverts ou fermés? Genre tu sais en mode elle se recueille avec toutes ces étoiles qui brillent ou aux yeux ouverts? Je crois que j'ai ouvert, mais. Non, Ago, arrête de dire ça, t'es trop fort sur les cheveux. Tu me dis s'il y a des réponses sur yeux ouverts ou fermés? Il y a un mec qui pourrait encore d'agrandir, mais. Son pénis? Pas ça que tu voulais comme réponse, j'imagine. Oui, si t'imagines s'il fallait décider ça. Si c'était le thème de l'illustration, bon, ça rentrerait dedans, quoi. C'est un thème bizarre, quand même. Pas de réponse? Non, pas de réponse. Bon, bah. Alors, c'est comme pour le lion hier. N'hésitez pas à prendre le temps d'essayer que vos deux yeux soient bien symétriques. Fermer, c'est plus simple, lol. Qui c'est qui dit ça? Ophélie, Delphine, les yeux ouverts vers le haut, elle s'émerveille devant les étoiles. On en a une de chaque là. Oui. Bon, allez, on va faire ouvert. C'est sûr que fermer, c'est plus simple, mais l'idée, c'est pas d'être. Alors, du coup, vu qu'elle regarde vers le haut, on va faire un demi-cercle. Vous voyez, c'est l'œil est. Et on va le faire, on va laisser un peu plus d'espace sur le côté extérieur de l'œil à chaque fois. Merci pour le pack malin, Tali. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. 475%, on se rapproche des 500. À 500, demain je travaille. Alors on dessine un portrait d'une femme qui a des étoiles dans les cheveux. Et je pense qu'elle en aura même au milieu du front. Mouah! Ah, un petit bisou. C'est bien les bisous. Stéphanie, personne pour me répondre. Ça y est, je vais lui répondre. Ah, d'accord. C'était ça la question. Elle fait un peu vénère. Elle fait un peu vénère parce qu'en fait j'ai voulu faire des yeux un peu moins gros que d'habitude. Sauf qu'en fait ça fait plat. Et du coup en fait pour pas que ça fasse énerver, il faut qu'ici ce soit plus arrondi comme ça. Vous voyez? Et quitte à venir mettre le sourcil plus vers le bas. Zout. Ben, recommence. Le mien est aussi, c'est pareil. J'en ai aussi un. Mais en fait, j'ai fait un trait en dessous, tu vois. Tu prends ton œil qui te convient et tu essayes de faire un trait. Je propose de faire hier, comme hier, avec le lion, là. Ça se trouve, ça peut faire un style, là, de faire une petite pointe comme ça.
Colo qui repose sa main, qui le prend replay, ce soir elle a mal, mal aux mains. Oh, tout plein de courage, Caro Colo. C'est relou, hein. Je suis triste pour toi. Je pense fort à toi, en tout cas, Caro Colo. Et bien, encore un pack en relais. Merci, Mamour 49, pour ce pack de 5 galets de coloriage. En plus, j'adore Mamour. Merci à toi, 477%. Trop bien. Ça monte, ça monte. Vous êtes trop cool. Donc, on va aussi faire les pupilles, comme ça on se rendra mieux compte. Donc, pareil, les pupilles, on va les mettre en haut, au milieu des deux de nos yeux, et on laisse un petit rond blanc au milieu. Le mot est lumière, donc il faut de la lumière dans les yeux. David, bon, je suis nouveau sur le live et dans le dessin. David de 98200 vous suit. Merci David. Vous voyez avoir des conseils pour améliorer la mise en couleur au crayon couleur pour rendre le dessin plus réaliste. Vous avez des vidéos, tutos ou astuces? Je suis preneur. Ah, alors, est-ce que dans les coloristes, vous avez des chaînes, des liens de chaînes qu'on pourrait donner à David? Parce qu'en fait, David, tu as de la chance. On est ici en compagnie de plein de coloristes. Et je suppose qu'il y en a plusieurs qui doivent donner des conseils. Pourtant, on fait du pas à pas sur le dessin, après sur la couleur, t'as pas fait de pas à pas. Non, je fais pas de pas à pas sur la couleur, je le fais comme ça en direct, mais j'explique pas ce que je fais. C'est plutôt, je mets de la couleur en papotant. Mais par contre, il y a énormément de personnes qui sont coloristes ici. Parce que de temps en temps... Ah ouais, mais attends, ils peuvent pas mettre de lien. Ago il peut mettre un lien. Ah, il y a Sabine qui dit Steph Color, donc tu peux taper sur YouTube Steph Color. Sam fait un copier-coller. Ensuite, entre nos deux yeux, j'avance Sam, c'est bon pour toi? Ouais. Là, entre les deux yeux, on descend un peu. Normalement, le nez, il se place au milieu. Vous voyez, on fait un trait entre les yeux et le menton. Voilà, on serait censé faire le nez. Moi, je fais le rond juste au-dessus. Du coup, il n'est pas vraiment au milieu, il est un tout petit peu surélevé. Donc, on fait un rond et de chaque côté, on fait un ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Et on va faire deux petites narines un peu plus foncées qui partent de la parenthèse et qui arrivent sur le rond du milieu. Salut Yoru! Hey, coucou Yoru! Trop contente que tu sois là ce soir. Est-ce que tu coloris un peu pendant qu'on dessine? Ensuite, pour la bouche, c'est entre le nez et le menton. Donc pareil, on peut faire un trait au milieu des deux. Et moi, encore une fois, je fais ma bouche juste au-dessus. Alors, pour la bouche, souvent maintenant, je fais un ovale comme ça. Pour avoir à peu près l'emplacement. Pour se rendre compte si l'emplacement de ma bouche me convient. Donc en gros, vous pouvez faire le haut comme ça, qui va d'un trait à l'autre. Et le dessous, en appuyant un peu plus sur le trait au milieu, pas en faisant forcément toute la bouche en entière. Ici, sous le nez, on va faire un petit U comme ça. Et là, on redescend
Et on redescend. On va lui faire un sourire. Avec tout ça, David, t'es pédale. Hein. Je viens de poster 5 liens et 6 noms en plus de chaîne. Ah bah c'est bon, t'as de quoi faire. Bon, maintenant, il faut rentrer en retard, c'est maintenant. Il y en a même que je connais pas là dans tous ceux qui ont été écrits. Qu'est-ce qu'elle a répondu, Yuri? David qui dit merci pour les liens, effectivement, j'ai de bonnes heures de visionnage. T'as de quoi faire. Trop bien, Yuri, je suis super contente. Et ensuite, ici, on va... J'hésite, on peut peut-être faire un rond en mode « Waouh !» Toutes ces étoiles qui brillent, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on va faire un petit rond comme ça. Bon, il faut que je passe à autre chose. Faut que je mette ma feuille droite parce que des fois quand on la met de travers on, du coup le visage est déformé. Faut pas hésiter à regarder notre à soulever notre dessin pour le regarder bien en face, voir si tout est bien symétrique et tout, parce que là en plus moi j'ai la lumière qui me gêne, donc je peux peut-être la reculer. Ah non, je peux même pas la reculer sinon vous avez pu voir. Du coup maintenant qu'on a fait ça, on va venir faire nos deux traits qui passent assez proches des yeux, hein, sur le côté. On descend jusqu'au nez. Et là, ici, on vient... On fait un arc de cercle pour arriver à notre menton. Et de l'autre côté, pareil. Du coup, en faisant ça, je me rends compte qu'elle a encore des yeux énormes, alors que je voulais faire des yeux plus petits. Donc, je gomme mes yeux. Après, là, quand je gomme pas à fond, à fond. Comme ça, j'ai toujours mes yeux que j'avais fait avant. Je les ai encore. Et en fait, je vais m'aider des yeux que je vois encore un peu à travers pour revenir faire mes nouveaux yeux par-dessus. Parce que ils sont placés au bon endroit, ça va. Le seul truc, c'est que je veux qu'ils soient plus petits, en fait. Plus fin, ouais. Oui, pas plus petit, mais plus fin. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, je me rends compte que la pupille fonctionne, que là, ça fait pas méchant en faisant comme ça. Et en fait, je viens mettre un trait plus droit. En gros, du coup, ça fait que le rond de l'iris, il n'y a plus de blanc en dessous. Il est un peu caché par la paupière du bas. Et du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Et là, hop, je viens aussi réduire. Caro Colo qui dit, on peut pas dire, mais tes portraits, c'était trop fort, là, il y a tellement quelque chose.
Pour toi, c'est magique. Je sens qu'on va encore être... C'est encore une pépite. Oh, merci, Carocolo. Ça me fait trop, trop, trop plaisir. C'est trop chou comme message. Coucou, Pénel. Salut, Pénel. Voilà. Salut, Anne. Je trouve que là, mes yeux sont moins tout gros que tout à l'heure. Maintenant, il faut que j'arrive à faire mes paupières d'au-dessus. Donc, j'agrandis les sourcils, les cils, pardon, de chaque côté. Là, j'ai rajouté de l'épaisseur au niveau des cils, du coup. Oui ! Merci, Claire, pour ton cahier de coloriage. Merci beaucoup, Claire. Trop bien. Ça fait plaisir de savoir que les cahiers de coloriage vont arriver chez vous et que je pourrai découvrir plein de jolies mises en couleur. Parce que ça, c'est vraiment ce que j'adore. C'est quand je découvre sur Instagram ou sur Facebook vos magnifiques colos. À chaque fois, je ressens une grande émotion. Alors, voilà, ici... J'hésite, peut-être ce serait encore mieux si on faisait des cils. Pour les cils, j'en fais un grand, un plus petit, un grand, un plus petit, un grand, un plus petit. Quand on met du mascara, souvent ça fait ça. David qui nous laisse parce qu'il va regarder le rugby, je vous jure. Quoi ? Au lieu d'aller regarder les... Il nous a quand même une bonne fin de live. Merci, c'est... David. Oui, je me rends compte que j'ai pas choisi la plus simple. Les machines à coudre, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas ce que je représente. Ce qui est dessus pour colorier, c'est pas simple. Donc, je vais faire des recherches avant d'avancer. Oh, et tu vas à l'arrache. Hein. Même moi, je savais pas trop ce qu'il y avait quand je l'ai dessiné. Martine, j'ai encore rêvé où j'ai entendu qu'on trouvait des diamond painting de l'or. Je trouve pas sur lui. Ah non, sur lui, il n'y a pas d'épée. Non. Les épées, c'est que Oraloa qui est là. Il y a Stéphanie ouais, qui t'a répondu. Tu veux le lien vers Oraloa ? On va te mettre le lien tout de suite. En plus, c'est clair, faut qu'on lui fasse de la pub hein, avec le gros don qu'il nous a fait. C'est un super éditeur, il est grave chouette. Il y a une page que c'est l'Orphelipon. Non, mais tu t'avais juste à cliquer sur l'Orphelipon, en fait, et t'avais tous les trucs l'Orphelipon. Voilà. Après, voilà, là, il t'a mis le lien pour les DP et l'Orphelipon, ouais. Mais tu verras, il y a d'autres illustrateurs qui sont sympas aussi. Dans l'Orphelipon, il y a un truc qui est pas l'Orphelipon. C'est quoi ça ? Je pense que ça, c'est, tu sais, les trucs pour... en gros, c'est pour les crayons, les colles, tout ça. C'est rigolo, il y a des choses que j'avais même pas vues. C'est quoi ça ? Là, celui-là ? Ça ? Ah, c'est le pixel, oui. Moi, j'ai eu ma toile mystère de ton image. C'est quoi, Ingrid, la toile mystère ? C'est en gros, c'est tu en... T'en chouette, t'en... Tu commandes et... C'est là, regarde. Il y a une boîte, c'est marqué boîte mystère, regarde. Mystery Kit, Animal et Ami. L'Orphelipon. Ah, donc tu sais pas ce que tu vas avoir. Et alors, t'es pas déçu?
Ce qui est encore plus drôle, c'est que ça soit mystérieux même quand tu mets les diamants. Je sais pas si c'est possible. Tu vois, Bah, c'est un peu ce qu'il a fait avec le... Tu dois pouvoir... Tu dois pouvoir parce que c'est ce qu'il a fait avec le point de croix. C'était pas les vraies couleurs. Alors, attends. Ah, mais du coup, tu sais quand même le dessin que c'est, quoi. Oui. C'est rigolo quand même de. Faut pas avoir peur d'acheter une toile sans savoir ce que c'est. Il y a quelqu'un qui dit cette nuit, je vais rêver de vous. J'ai rattrapé tous mes dessins depuis mardi. J'ai bombardé mon Insta. Oh Ici, on va faire les cils. Les sourcils. Wow, j'y arrive bien, moi, entre les deux. Vous pouvez, si vous voulez, faire un trait comme ça, un peu au-dessus des yeux. Et en fait, c'est pour placer les sourcils, c'est un peu plus facile. C'est comme ça, ils sont plus à la même hauteur, à la même taille. Quand j'ai commencé l'illustration, pour les sourcils, je faisais juste un trait. Et en fait, comme c'est devenu la mode des plus gros sourcils, bah maintenant j'épaissis les sourcils. Les dessins suivent la mode. Il vaut mieux les faire en arc de cercle pour que le visage soit souriant. Là, je fais à nouveau des traits au niveau du contour du visage pour voir à quelle distance je trouve que mon trait fonctionne bien. Parce qu'en fait, c'est assez compliqué. Il ne faut pas être trop éloigné du bord de l'œil et il ne faut pas être trop proche non plus. Ici, à partir de l'œil, on a l'oreille. Donc, on a le haut de l'oreille qui redescend vers le nez. Et on fait pareil de l'autre côté. Il faut la faire vraiment fine. Hein. Sinon, ça va lui faire des oreilles un peu décollées. Et on peut mettre un trait à l'intérieur. Ophélie, quelle galère sur le nez. Tu veux que je te réexplique, Ophélie ? Sur quoi tu galères exactement par rapport au nez ? Et maintenant, ça va être... Non, on va faire le...
On va faire le coup. Donc le coup, vous pouvez descendre de chaque côté, en gros, de la bouche ou des yeux, comme ça. Je le fais assez fin, moi, le coup. Merci Christelle pour ton quai de coloriage. Merci Christelle, trop bien. Sophie dit oui car tu ne les fais jamais comme ça, les narines ça me gonfle. Je les fais jamais comme ça. Je suis content. Si, je peux te remontrer. Du coup, tu fais un rond. Attends, je peux te le montrer en gros sur un papier. Tu fais un rond comme ça. Et un peu plus petit de chaque côté du rond, tu viens faire un ouvrir et un fermer la parenthèse. Donc, tu as ton rond. Il faut qu'elle soit à peu près à la même taille, tu vois. Tu es en train de faire les oreilles. Du coup, lever les yeux et devoir faire ça. Au début, ça faisait la personne qui ah oui, trop. Ou un casque. C'est un gros casque de chaque côté. Eh, y a un dessin à faire, c'est sympa. C'est rigolo, maintenant, je vois que le bonhomme. Et ici, tu vas venir faire, tu vois, là, t'as ton rond, là, t'as la narine. Ici, tu fais juste deux trucs comme ça. Et ensuite, ici, tu viens mettre tu vois, t'as ton rond, donc tu viens rassembler les deux comme ça. Ici, tu peux remettre un peu plus foncé la narine parce que comme il y a des trous, ça fait plus foncé. Et là, tu viens remarquer un peu plus fort comme ça. Et t'as ton nez. Ou sinon, tu as ton bonhomme qui écoute de la musique avec une grosse écharpe. Je peux pas m'empêcher de le faire. Voilà, désolé, c'était obligé. Sam m'a montré un truc que j'avais trop envie de faire. Comment, en partant d'un nez, tu te retrouves avec un bonhomme qui écoute de la musique? C'est drôle, quand même. J'arrive pas à t'aider, t'es où? T'as vu, c'est tout dans le vide. Tu vois? Il est pas encore cassé, quand même. Pourquoi il est coincé? C'est surtout qu'il est coincé là. Vas-y, fais ton live. Ah, ça y est. Donc voilà, on a notre coup. Qui c'est qui a mis waouh en fait? Hip hip hip. Ça fait cache-oreille. Oui, c'est ça. Ça fait cache-oreille. Prochain gif. C'est quoi le prochain gif, Caroline? J'ai pas suivi du coup. Au début, je pensais que tu faisais une moustache au nez. Trop drôle. Les Olmecs ont de belles oreilles. Je connais pas du tout les Olmecs. C'est chelou quand même. Alors, ensuite, nous allons passer aux cheveux étoiles. Sérieux? Oh, Sam, il a cassé le taille-crayon. Comment ça, j'ai cassé le taille-crayon? Bah, je sais pas, moi, il marchait tout à l'heure. Et toi, tu viens tailler ton truc et il marche plus. C'est bizarre. Non, mais c'est ce crayon-là, c'est vrai, quand il se pose, il dépasse pas, tu vois? C'est qu'ils sont trop fins, ces crayons? T'en as un autre vert, comme le tien, je vérifie.
Mais moi, j'arrive bien à le tailler. Trop chaud, je comprends pas pourquoi. Alors, comment qu'on va faire ? On va commencer peut-être par faire les étoiles et on verra ensuite. On va faire une étoile ici. Ah, je sais pas, c'est, on a été voir avec les enfants, les emmener voir, c'était comment ? Mario Kart ? C'est Mario, ça ? Super Mario ? Super Mario Bros, voilà. Et il y a un personnage que j'adore dans Super Mario Bros, c'est la petite étoile. Mais elle est trop drôle, trop chou. Du coup, là, en faisant l'étoile, j'ai envie de faire les petits yeux comme ça. On va en faire un aussi, une juste au-dessus des... Juste entre les sourcils, au-dessus. On peut même... Ah, attendez. Au-dessus, entre... On va faire... On va en faire trois en fait. On va en faire une grande, une un peu moins grande et une petite. Vous pouvez faire trois ronds comme ça. Comme ça, vous savez où salut, vous voulez. Salut. Et là, je tout. Ah oui, il n'y a plus les. Ça y est, il n'y a plus les messages YouTube. Pourquoi? C'est fou que ça bug souvent comme ça. Ouais, mais c'est... Oula ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est juste que j'ai fait apparaître les messages, ils sont tous apparus d'un coup. Voilà. Oula, il y a 8 Alix qui arrive, qui dit bonsoir, félicitations pour le événement à venir. Qui c'est qui dit ça ? Oui, Alix, je ne sais pas quel est le événement à venir. Qu'est-ce que c'est le réévénement ? Bah c'est peut-être le Ulule. Hein. Oui. On accouche d'un bébé cahier de coloriage, mon touquette. Salut Kiki Samba. Voilà, et une plus petite étoile ici. Touk, toute miniche. Je voilà. Te vois, je te vois. Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'elle a dit bonsoir Sam et après elle a mis une main sur la bouche en disant j'ai rien dit. Mais je sais très bien à quoi elle pense. Sam, sois gentil avec la communauté du pinceau. Ouais. On va faire une autre petite étoile ici. En gros, je colle des étoiles un peu partout et ensuite, je verrai comment je fais mes cheveux. Les cheveux vont vivre en fonction des étoiles. Ici, on va faire deux mèches qui tombent comme ça. Et sur ces mèches, on va faire des petites étoiles aussi. Faut pas les faire toutes de la même taille. Vous en faites des petites, des moyennes, des grandes. Il y a Hugo qui galère, qui dit ce rime. J'ai fait un impact de balle entre les deux yeux. Te jure. Attends, mais d'ailleurs, elles sont un peu trop hautes. C'est dommage parce que je les trouvais parfaites. Mais elles sont un peu hautes. Ah là là, c'est pas facile.
faut que je fasse un trait qui passe entre. Voilà. Et une petite. Voilà. Je trouve que c'est bien que la dernière étoile, elle finisse entre les sourcils. J'ai bien envie de faire des tresses. Je vais faire une... Là, vous pouvez remonter comme ça. On va faire une tresse qui arrive à cette étoile. On va la faire... En fait, en gros, on va la faire remonter et redescendre de l'étoile comme ça. Oui, c'est étrange. On va voir si ça marche. Là, c'est le moment où en fait, vous êtes en train de suivre quelque chose dont je ne suis pas sûre. Parce que du coup, comme le dessin n'a pas été préparé avant, je fais mes recherches en même temps que je dessine. Mais j'y crois, je pense qu'on peut faire un truc sympa. Ici, on va faire un deuxième qui, donc une deuxième tresse qui redescend. Pour les tresses, si vous voulez, vous embêtez pas, faites des ovales comme ça. On comprend que c'est une tresse. Donc là, on va faire un trait qui sort derrière l'oreille, qui revient comme ça. Ensuite, on va en faire un deuxième comme ça, qui revient comme ça. Ensuite, un troisième, et là, on va revenir un peu plus rond comme ça. Et on va faire un autre petit là qui passe derrière l'oreille. Et ici, on va venir refaire des tresses qui passent comme ça. Hip vous suit. Merci, c'est Hip Hip Hip. Il tente de se désabonner, de se ramener pour choper des crayons. Mais ça ne marche pas. Hip Hip Hip. J'étais là, mais Hip 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 est déjà abonné. Mais je... Voilà pour ce côté. Donc là, en gros, on a la coiffure qui part comme ça, qui revient. Et en gros, il faut qu'elle soit attachée par ici. La coiffure peut être attachée à la grosse étoile qu'on a faite. Donc on va faire des traits comme ça, là, qui, en gros, on arrive là, on sort ici, on revient là et on redescend derrière. On passe un peu derrière l'étoile. Attendez, là la question c'est comment on décide de faire ? Ouais, je pense qu'on va faire un truc comme ça. Donc ici, on refait sur les traits qu'on a fait, on vient refaire les petits ovales pour faire nos tresses.
Donc voilà, donc en gros, on se dit qu'il y a une petite barrette qui attache là, il y a une autre petite barrette qui attache là. Et là, du coup, les cheveux, ils vont redescendre. Donc ce qu'on peut faire, c'est on fait déjà quelques traits qui reviennent comme ça. Donc on fait un trait derrière, un trait là. Parce qu'en fait, les traits qu'on choisit de faire, c'est dessus qu'on va venir faire les tresses. Il faudrait une troisième grosse étoile. Donc je propose... On va faire une troisième étoile, alors un peu plus petite que celle-ci, mais un peu plus grosse que celle-ci. C'est Pipip qui a pu refaire un bisou en se désabonnant. C'est Peggy qui est venue sur Twitch pour faire un bisou à l'eau. J'adore. Un petit passage sur Twitch exprès pour faire un bisou à Go. Donc ici, là, on va faire quelques traits qui rejoignent l'étoile, l'étoile ici. Et en gros, on va revenir faire nos tresses comme ça. Celle-ci, on peut la faire qui part. Voilà. Et là, on va revenir faire nos ovales sur les traits qu'on a fait. On peut esquisser un peu l'épaule aussi. Hop, pour qu'on sente que voilà, du coup, les tresses, elles passent par-dessus l'épaule. Et je t'ai l'air d'Odom. T'as dit quoi? D'Odom, pardon, qui est parti manger. Ah, ok. Bon appétit! J'ai rien compris à la coiffure. Y a pas grand chose à comprendre. C'est plus un dessin, c'est un chantier, ma feuille. Je cherche un marteau et un burin. J'avoue que c'est parti un peu en freestyle. Ah mince, Rosine. Oh bah t'inquiète, on va te laisser le temps de rattraper. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'Ago n'a pas fait de tresse. Mais en fait, c'est pas grave. Hein. N'hésitez pas à faire votre... Merci, Pipip. N'hésitez pas à faire votre... votre coiffure aussi, un peu comme, comme vous l'entendez. Hein. Et puis, vous êtes pas... vous pouvez réutiliser les traits que j'ai faits et ne pas faire, ne pas faire les ovales là pour faire des tresses... Je le mets un peu debout pour pouvoir... je fais rien de nouveau, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que là, je suis en train d'essayer de réajuster. Parce que, par exemple, là, ma coiffure, elle commence vachement haut.
Oui, si, je vais vous montrer quand même. En fait, là, je me rends compte que son front, il est beaucoup trop grand. Donc, je viens remettre une tresse comme ça. Puis, donc, pour ceux qui ne veulent pas faire de tièce, vous faites juste des petits traits comme ça. Voilà. Et ici, je vais en faire une autre comme ça. Voilà, pour que ça lui fasse un moins grand front quand même. On peut faire une petite mèche de cheveux. On peut faire des petites mèches de cheveux qui sortent un peu de la coiffure. Et ici, on va faire une boucle d'oreille. Donc là, je fais une chaîne avec un gros rond, un petit rond, un gros rond, un petit rond. Et ici, un deuxième petit rond. Et là, une autre étoile. Si avec ça, elle n'est pas illuminée. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Alors, en plus, je vais pas travailler, je suis à fond. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'Ago n'a pas fait de tresse. On pourrait l'avoir en coloriage, celui-ci, là. Ouais, ça veut dire qu'il faut que je le scanne avant de faire la couleur. Oui, il y aura une post-scan. Ouais. Merci les créas de Sophie. Bah, Sophie, elle s'est dit, c'est bon, c'est un colo. Très joli ton colo, là. Notre patounet va bientôt partir en syncope. Un moutage. Ah bah oui, on n'a pas fait de moutage. Vous pouvez pas faire... une exception à hippipip pour des bisous. Ah, j'avoue, envoyer des trucs pour qu'elle puisse faire des bisous. J'ai pas la main. Hein. Ah bon? Bah, t'en avais donné à petit écureuil? Comment j'avais fait? C'était la galère, je crois. Ah oui, non, c'est que j'avais fait une prédiction pour filer mes crayons. Ouais. J'avais parié mes crayons pour les filer, oui, ça, j'avais fait un truc comme ça. Je pense qu'on va quand même faire une lune. Elle sera quand même assez cachée par les tresses et le portrait. Mais du coup, je trouve que ça donnera un peu plus de... Ah, non, il dit, mais j'ai les crayons, mais ça me met, vous avez récupéré... Ah, oh, merci Tiffen pour le coloriage. Merci. Trop cool. Vous récupérez la quantité maximum disponible que vous... Vous êtes destiné, ils referont le plein pour le prochain stream. Ah mais ça c'est pareil, c'est pas moi qui le développe. Je crois pas que j'ai la main sur la quantité. Il y a Marcine qui vient acheter 3 DP. Sérieux? Trop bien. Et oui, d'ailleurs, est-ce qu'elle m'a répondu tout à l'heure, Ingrid, sur le DP qu'elle a eu en oui, surprise? C'était le... Moi je l'ai lu mais je l'ai pas lire. Ah bah ouais, ce serait cool que tu me le dises quand même.
Parce que t'as, tu gardes l'ordi que chez toi et du coup... Je peux trouver l'écran, tu demandes. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Je cherche. Bonsoir. Bonsoir. C'est Ibid qui, du coup... Alors, attends, venez-vous, je cherche d'abord ça. C'est Amour de chat. D'accord. Et du coup, t'étais contente? On s'approche du concert, ouais. Mais du coup, le concert, il sera en novembre. On a mis trop de temps à avoir les 500, enfin les 495. Parce que là, on est à combien de pourcents? Quoi, ça, c'est des DP. Les DP, c'est du diamond painting, c'est des toiles sur lesquelles on colle des tout petits bouts de diamants, des petits plastiques, tout plastique coloré. Et voilà, et à la fin, ça refait un tableau. Et en fait, l'or est en partenariat avec l'entreprise Oraloa qui fait ça. J'ai mis le lien tout à l'heure, c'est lui à qui on a passé le truc. C'est ça. J'ai fait le moutage en bas à droite. Qu'est-ce qui ferait pas, Sam, pour que tu puisses avoir plein de bisous à Go? Je sais pas si je peux. Je crois pas que j'ai trop la. J'ai le. Ah si, j'ai la main dessus. Voilà. Bon ben, bah, je pense qu'on est pas mal là. On va passer à l'ancrage. Il va y avoir du taf là sur l'ancrage. Gribouille, j'ai pris un dessin hier, mon budget colo est épuisé pour ce mois-ci. ça lui fait plaisir, Ago. Gribouille qui dit à Peggy, ça n'a pas fait monter la cagnotte. J'ai trop hâte de le faire colorier par la partie. Hein. C'est qui dit ça? Moi. Ah! Celle-ci? Ouais. Ouais, ça peut être sympa. Elle va peut-être pas comprendre, l'IA, les étoiles dans les cheveux. Bah si, si je lui dis que c'est de dire qu'elle a les étoiles dans les cheveux, elle va comprendre. Non, justement, c'est sympa d'écrire pour l'IA. Coucou, j'étais pas mal occupé avec un album photo à faire. Maintenant qu'il est terminé et sonné par le dessinateur, je vais pouvoir me remettre sur Inktober et j'ai grave du retard.
Typique réa. Bah, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir regarder ce que tu préfères et puis tu feras juste ce que tu aimes comme ça. Qui c'est qui a dit bonsoir? C'est Hip. Bah, Hip Hip Hip. Hop, tiens, je te donne l'écran, je vais aller jouer sur mon ordi. Avec moi et Claire. Voilà, quand moi je fais la mise en couleur, Sam va faire mumuse avec de la. Avec son ordinateur. Est-il acheté les cendres ce soir? Oui, il a été acheté au début de live. Merci, Pip Pip. Oh, Caro Colo qui dit on devrait pouvoir se commander plein de livres de l'or et se faire rembourser par la sécu. Je vais essayer d'avoir un partenariat. Il y a Gribouille qui dit à chaque fois qu'il y a un bonsoir, je crois toujours que c'est Sam qui fait le couillon. Elle est éclatée, ma tresse. Ben, ça va être chouette, une tresse éclatée. J'ai hâte de voir ta tresse éclatée, Ago. Merci beaucoup, Hip Hip Hip. Je suis allée sur les IA, c'est assez dingue et flippant en même temps. Ouais, moi j'essaye juste de regarder le côté chouette du coup. Mais oui, oui, c'est impressionnant. C'est super beau hein, de voir ce qu'ils sont capables de faire. Ça me fait halluciner à chaque fois les trucs qui sortent de ces dessins. S'il y avait que la tresse, ce serait pas grave. On dirait qu'elle s'est prise un ventilateur, Patounet. Parce que t'arrives à voir son dessin, Martine? Ouais, il dit ça et tu vas voir qu'il va encore faire un super truc. C'est clair, à chaque fois. À chaque fois, il nous fait... En fait, c'est qu'il veut qu'on s'attende au pire pour qu'on fasse... Wouah! Laure, oublie pas le scan, sinon je vais être obligée... De Colo, la version d'Ago. Ça marche, Gribouille. Oui, c'est ça, Ago. Est-ce qu'on a le lien pour envoyer ou un peu de temps encore? Ah bah oui, il y a du temps parce qu'il faut que j'arrive déjà à faire toute la... Comment ça s'appelle? Tout l'ancrage. Et après, je voulais commencer la mise en couleur. Et entre-temps, il faut que je fasse un scan. Donc, vous avez un peu de temps pour avancer votre dessin. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop d'enfants ce soir. Après, voilà, je sais qu'hier soir, c'est ce qu'on a fait. Hein. On a regardé les dessins un peu avant parce que il y avait des enfants et qu'il fallait qu'ils aillent se coucher. Donc, si jamais vous avez des enfants ou que même vous, à votre âge, vous avez envie d'aller vous coucher, dites-le moi et puis on regardera les dessins avant.
À ce que j'ai compris, on a plus d'une heure. La mienne a fumé quelque chose. Je préfère ne pas savoir quoi. J'ai hâte de voir vos dessins. Patrick, t'as le temps de lui refaire une mise en pile. Franchement, ce serait drôle. Ce serait drôle, Gribouille, un jour, de te voir mettre en couleur celui de Patrick. Vous êtes sûr de vouloir l'avoir en colo? Parce que ce taf de dingue, là, tous les cheveux... Même moi, je me dis, oh my god. Ça allait à dessiner, et encore, même juste à refaire à l'ancrage, je mets trois plombes. Alors, à colorier, laisse tomber. Ago, t'en as pour un an, là. C'est de la chirurgie, je crois qu'il va falloir une intervention. Moi, j'étais dans mon élément de dessiner un portrait dans le style réaliste, par contre. J'ai du mal à faire autrement. Oui, mais en même temps, ils sont très beaux, tes portraits en style réaliste, donc c'est trop bien. Dis-le, Laure, que tu n'as pas le courage de le scanner. Non, non, j'ai plus le courage de le scanner que de le mettre en couleur. Oui, oui, pour le mettre en couleur. C'est pas de le scanner, c'est repasser au trait noir. Oui, c'est ça. Du coup, personne ne m'a dit que vous vouliez voir les dessins, donc j'en déduis que vous êtes tous en train de peaufiner. Voire de mettre en couleur. Ou alors, vous êtes comme moi et l'ancrage vous met 3 heures à faire. Ça, c'est du dessin ce soir, hein, qu'on a fait... Excusez-moi, je relève la lumière parce que je me galère à... faire mon ancrage. Je crois qu'il faut que je mette mes lunettes. C'est fou, hein, pour dessiner, j'ai pas besoin de lunettes, mais dès que j'ai besoin de précision, il faut que je sorte les lunettes, quoi. J'ai pas fait l'œil aussi grand d'un côté que de l'autre. Enfin, je rajoute un peu de blanc, je pense.
qui est marrant, c'est que c'est moi qui l'ai réclamé alors que je râle quand il y a trop de détails. Ouais, merci beaucoup Marjo. Merci à toi, ça fait trop plaisir, un pack malin. On est à 479. On se rapproche. Ah ouais, Stéphanie, tu vas pas le faire. Oh, on est habitué à voir tes jolis colos. Ouais, ce qui est un peu compliqué avec les portraits, c'est toujours ce truc de la symétrie. C'est qu'en fait, bon, même si un visage n'est jamais totalement symétrique, hein, même dans la vraie vie, essayer de faire un visage qui va faire symétrique, c'est ce qui est le plus dur en fait. Bonsoir. Ah, ça m'a fait sursauter, désolée, là, j'étais partie dans mon dessin. J'ai complètement oublié que je n'étais pas seule. Laure a perdu sa langue, oui, tout à fait. j'étais trop à fond. Parce que j'ai loupé des... Ah, il y a Hélène qui a demandé à voir le lien du dessin. Ouais. Ah, elle l'a mis du coup, hein. J'ai pas fait le dessin de ce soir, mais je suis en train de m'éclater sur un de tes coloriages pour l'Odyssée. Merci Coralie. Merci à toi. Alors, c'est pas des chaînes, c'est des tresses. En fait, c'est des tresses. Alors, je sais que là, comme ça, on le voit pas. Enfin, en vrai, vu que il n'y a pas le 28, il y a Cécile qui dit il n'y a pas le 28 pour envoyer Sam. Ouais, ah bah bravo Hippipip. On fait exprès de me faire sursauter. C'est du propre.
Oui, je disais... si, si, ça me dit qu'il y a bien le 28, Cécile. Comment ça se fait que tu ne le vois pas? Oh, trop bien, notre pack malin. Merci à toi. Vise canon. Ouais, je crois que c'est comme ça que ça se dit. En plus, je suis super loin du truc, alors. 480%. Allez, plus que 20%. Et il y a une carte en plus. Et ça sera trop cool. Mouah. Oh, notre petit bisou. C'est trop bien, les bisous. Ça y est, je vais aller scanner mon dessin. Normalement, il n'y a plus le bug qu'on a eu. Sam s'est un peu énervé cet après-midi pour enlever le bug. Il n'y a pas le 28, Sam. Mais si, je ça fait plusieurs qu'ils le disent. Je viens vérifier. Je pense que la majorité l'emporte. On voit un dessin. 28-28, non mais il n'y a pas, de... Il y a un cache sur le HTML. Oh, il y a un cache sur le HTML. Alors, actualisez votre page si vous n'avez pas le 28. Faites un F5 parce qu'en plus sinon ça va être vraiment la galère pour avoir des seins. Mais ouais. sur téléphone, t'as pas le F5? Si, tu peux actualiser avec le droit. Je gomme un petit peu, mais je voulais quand même laisser un peu les traits dans les cheveux. Que ça crée un peu un ombrage que j'aime bien. Ça klaxonne dehors. Comment à cette heure-là, ça klaxonne encore comme ça? Normalement, j'ai désactivé le cache sur cette page pour pas qu'il y ait de problème. Pour plus qu'il y ait ce problème-là, normalement, le 28 devrait apparaître pour tout le monde. Mauvais. Voilà. Ah, c'est dommage, ça, il n'y a pas d'Isabelle. J'ai corrigé un bug. Non, j'aimerais bien voir si Isabelle marchait. Alors, est-ce que les Inktober seront dispo en coupon à coudre? Oui. Là, ouais, j'ai commencé à en mettre. La plupart le seront. Normalement, ils seront tous. C'est là qu'ils y sont pas, si vous le voulez, faut nous le signaler. Oui, on a mis ceux qu'on trouve les plus beaux. Mais voilà, on est en train de les mettre, demain je continuerai. L'idée c'est de tous les mettre mettre tous ceux tout en vente
Aïe. Ah. Hop. Il n'y a pas de dessin autant que vous avez ma tronche. Okay. On avait fait du chou-fleur ce soir, vous êtes content de le savoir. Du coup, j'ai allumé une petite bougie parfumée. Tu l'as éteinte ? Ben, je l'ai éteinte là. Ah, tu viens d'éteindre. Et du coup, ça sent. Ça sent la bougie. Ouais. Je confirme, il n'y a pas d'intuit. Normalement, j'ai corrigé le bug. Oh, il faut faire un petit F5. Si vous n'avez pas le 28, vous, avec votre doigt, vous réactualisez la page et il va apparaître. Coucou Nicole. Ça bug, ça me remet le dessin d'hier. Quoi? Mais non, j'ai corrigé ça normalement. Normalement, c'est que c'est bon quand même, mais c'est juste que... De toute façon, l'envoyez pas plusieurs fois. Hein. Si vous l'envoyez une fois, ne vous inquiétez pas, je le recevrai. Même si sur la page d'après, vous allez... Mais pourtant, j'ai... Le dessin du jour est scanné. Je vous ferai des petites retouches et je vous l'enverrai. Je sais pas si tu veux que ça traverse. C'est pas grave, ça traverse, je m'en fous. Non, au travers, en noir et blanc, alors tout est en couleur. Moi, tout ça, je peux le corriger. Envoyez-le qu'une fois, moi je reçois votre première haute def et après je peux remettre comme je veux. Alors, un petit peu de mise en couleur. Et puis on va regarder les dessins. Même si vous avez un souci, ne le renvoyez pas. C'est cool. Je vais tester sur mon tel, mais... Ça se trouve, ta correction de bug a... Mais non, mais c'est le même problème que hier, c'est que le cache... Moi, j'ai bien 28 sur mon tel. Pensez à faire ça avec votre doigt, là, comme ça, pour qu'il y ait le petit icône là, et du coup ça va, j'ai pas regardé si je vous montrais, ça se voyait. Comme ça, avec votre doigt, faites ça. Et normalement ça devrait actualiser la page et vous devriez avoir le truc apparaît. Sinon, je vais les déplacer, mais comme j'en suis neuf. Il y a encore des gens qui l'envoient en double, je comprends pas. Bah, go, c'est bon, je vois que tu l'as mis à 28. Ça m'est désespéré, là, ouais, je ouais, sens j'ai le. J'ai passé un bout de temps à corriger le bug et je vois que j'ai encore des gens qui l'envoient en double. Oh, c'est pas grave, c'est la fin. je sais plus, je veux pas. Attends, je veux pas que t'en aies 10 et surtout pas me faire disputer. Voilà, Miss Lou, tu l'as déjà envoyé deux fois, c'est bon, je l'ai. Hein. Merci, à Nicole. Je l'ai. Caro, Cricri, Ophélie, Karine, Patricia, Cécile. Non, t'inquiète, Karine. C'est, envoie-le, on a le bon, même si le visuel d'hier s'affiche toujours. Qui a mis dans un immense merci à Tipeee Créard pour ton message. Non, mais à gauche, je dis pas renvoyer, je l'ai dit au revoir. Ça me touche énormément, merci à toi. Et puis je te souhaite beaucoup de courage dans cette période difficile. Qui c'est qui dit Catherine Catherine, je l'ai. Je pense qu'en fait, ça passe pour tout le monde.
C'est juste que ça bug au niveau de... Je peux faire, c'est ça. Normalement, ça peut. Vos dessins. Mais c'est bon, je l'ai reçu deux fois ton dessin, Go. Il va être sûr que tu l'es. Qui nous envoie tous les dessins de la veille, mais alors il faudra que je les valide. Pour les cheveux, j'ai bien envie de faire comme la crinière du lion d'hier, plein de couleurs différentes. Là, je suis dans ma période éclat de couleurs. On a atteint les... On a atteint nos bénéfices, alors c'est bon. Je peux remettre de la couleur. Oh, j'ai encore des trucs qui s'inversent au niveau image. Ça marche, ça. Oui. Merci, Nat, pour ton quel coloriage. Trop bien, merci beaucoup. Hop, donc ça, je peux le valider. Qui nous a envoyé des dessins des jours précédents. Donc je valide pour qu'il apparaisse dans le diapo. Hop. Qu'est-ce que j'en ai vu un autre qui était ancien? Celui-là, validé. Mais là, alors, non, j'ai passé une demi-heure à corriger le bug aujourd'hui sur le fait que vous voyez les dessins d'hier sur l'étape suivante. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai fait plein de tests et moi, donc au début j'avais le bug comme vous, et j'ai fait plein de tests et j'ai corrigé les choses et à la fin normalement j'avais plus le bug. Donc je suis un peu dégoûté que vous ayez toujours le bug chez vous. Et en plus vous avez maintenant un bug sur les dates qui apparaissent. Ça c'est ce qui est compliqué dans le métier d'informaticien, c'est que tu crois réparer un truc et en fait t'en casses plein d'autres. C'est et ton truc n'est même pas réparé. C'est pas difficile, c'est déprimant. Hein. Dans le métier. La couleur, je dirais le filtre. Je prépare du coup le... Oui, tu peux commencer à préparer. Est-ce que je me posais la question? Ah, merci! Qui tu sais? Oh! 220. Oh! Maïs, merci, Maïlis! Deux originaux à l'aquarelle! Oh! Si tu veux, tu peux déjà. Alors, est-ce que tu es là? Parce que si tu veux, tu. Qu'est-ce qu'ils disent là? Ah bon, on t'a écouté, on fait péter la tirelire. C'est qui du coup? Mais je vois ça. C'est toi, Cécile? Non, c'est pas toi qui viens. Non, mais c'est Maïs, ça s'appelle.
Maïs, oui, je suis là. Maïs, merci beaucoup. Si tu veux, tu peux m'envoyer en message privé ce que tu veux, ta photo ou voilà, ou le thème des dessins que tu veux. Tu peux m'envoyer ça en MP, comme ça je commencerai à travailler dessus. Merci infiniment, c'est trop bien. On est à 487%. C'est trop cool. Bon, j'en vois plus rien, moi il va me dégommer ça. Vous en envoyez, de toute façon, je l'ai su. Il y a Bibib qui fait waouh. Ago qui fait Maïlis avec plein de smileys faites. Allez, on regarde les lions. Attends, je finis juste de mettre mon jaune. Comment ça, attends? Mais... Ah oui, j'étais en train de dire quoi? Je me demandais, est-ce que vous avez la chanson en tête la musique en tête du début, là. Parce qu'alors, moi, je l'ai, mais tout le temps dans la tête. C'est bon? Oui. Oh, j'aime trop! Excellent, Nounouchette! Il est super! J'aime beaucoup cette petite barbe. On a bien le visage en forme de cœur. Je crois que tu nous fais des... Non, mais moi, il est en mode avion. Non, je peux pas, c'est en mode avion. C'est moi ? En effet, c'est à The, mais moi, je suis en mode avion, donc je peux pas avoir fait de... Je ne suis pas en mode avion. Voilà. Bravo. C'est moi le problème. Mmh. Celui de Laurence. Ouais, trop chouette avec des couleurs. Bravo, Laurence. Oh my god! T'inquiète, Anne, c'est pas grave, moi je pourrais le retourner. Il est incroyable, Céline. Je ne peux pas être là ce soir pour le live, j'essaierai de le faire en replay demain matin et si j'arrive à motiver mes parents demain après-midi. Ah, génial! Bon, en tout cas, un grand bravo, hein, Céline, il est extraordinaire. T'as envoyé le tien? J'ai envoyé ma version avec IA, ouais. C'est mon dessin mélangé avec une colo de l'IA. En fait, bah parce que j'ai testé l'envoi, j'ai fait plein de tests, et puis du coup, au bout d'un moment, j'ai mis celui-là, et j'ai fait, bah, je vais le laisser, je montrerai aux gens ce que je m'amuse à faire avec l'IA. Voilà. C'est classe, hein. Quand même, tu te dis, l'IA, c'est trop bien. En gros, je fais générer à l'IA à partir de mon croquis et de mots-clés, et ensuite, sur Photoshop, je fais un mélange de mon croquis mélangé à l'IA, au résultat de l'IA. Voilà. Bon, par contre, c'est bien les IA, mais on ne vend pas. Super Betty! Ah, le regard est tellement profond! Voilà pour le rattrapage des dessins d'hier. On peut passer au dessin du jour avec Caro. Oh, Chloé, waouh! Oh, qu'il est beau! Très joli ton collier aussi. Bravo à toi, il est super. Celui de Betty. Oh, excellent. J'adore comment t'as fait les petits points et tout. Il est super, super chouette. Bah Stéphanie, le tien de Lyon, je l'ai pas vu. On va voir, tu l'as envoyé après. Regarde. Non, il y a ton dessin du jour, mais j'ai pas de lion. Ensuite, la version de Théo sur son dessin du jour. Waouh, excellent Théo. C'est chouette. La bougie dans une ampoule. Oh, c'est une super idée. À moins que ça passe hier, hein, parce qu'après, je sais pas. Celui de Xavier. Ah bah dis donc Michel, bravo! Elle arrive à 21h30, elle a rattrapé l'esquisse crayon. On a hâte de voir ça! Excellent Xavier, ça marche trop bien! Oh le briquet allumé, la bougie au-dessus du chapeau. Oh, je suis ultra fan! Excellent, trop chouette Xavier. Mon dessin,
Il a un air très suspicieux. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est Sam quand il voit... C'est Sam quand il vous voit envoyer vos dessins. Tu trouves pas? Attention. Il est trop chouette. Non, mais il y a une bonne expression. Ma version, il y a... Ah, elle est belle, l'étoile. Hein. Ah, l'œil aussi, il est grave calme. Oui, j'avais mis le lien, je le remets. Trop beau, Stéphanie. Il est super chouette. J'ai dû envoyer 3 dessins que j'ai fini. Je ne sais pas ce que vous avez. Alors, les dessins que, qui ne sont pas ceux d'hier ou d'aujourd'hui, je les ai validés. Ils sont dans la diapo de début de live et de fin de live. Mais on ne regarde que les dessins de Lyon et de Brille aujourd'hui. On sent qu'elle n'a pas l'air convaincue. Non? Ah, le chat? Bah ouais, c'est bête, je pense pas que ça brille. Si. Ah oui, t'as raison. Attention la tête. Bravo Jules! C'est sur le jeu que tu fais ça? Non, c'est Stable Diffusion. C'est une IA qui est open source. Donc que j'ai installé sur mon ordi qui tourne depuis mon ordi et qui a été développé de façon open source, c'est-à-dire par les gens qui ont fait ça pour rendre pour que ça soit gratuit, accessible à tout le monde, au plus grand nombre et que la communauté le modifie au fur et à mesure. Waouh, il est excellent, Catherine. J'aime beaucoup. Je repasserai sur les lions après, mais pour l'instant, je reste sur le dessin du jour. Bravo Catherine, magnifique. Oh, génial Miss Lou. Elle est toute douce. Excellent Cécile. Wow, j'ai gommé les yeux, les cheveux, les étoiles à l'œil. J'ai mis des étoiles dans les yeux du moutage. Merci encore pour ces magnifiques moments de partage et de dessin. J'arrive pas à voir les étoiles. Je crois qu'il est trop bas. Il a été pris en photo un peu trop. On voit pas les étoiles dans ses yeux. Il n'y a pas un incident celui-là un peu. Ah oui, oh, c'est une trop bonne idée. Ça rend une super expression. Elle est vraiment très chouette. Hein. Bravo à toi, Cécile. Patricia. Ah, oh, j'adore. Pareil, beaucoup de douceur. Bravo à toi, Patricia. Mince. Que j'ai fait? Tu l'as inversé. Mais non. Non, j'ai fait une bêtise. C'était pas celui-là. Alors, excusez-moi, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Sauf que t'as pas le droit à l'erreur. C'est celui de qui là, que j'ai passé sans faire exprès. C'est celui de Karine. Voilà. C'est celui-là que j'ai pas validé. Hop. Celui de Karine. Excellent Karine. Fait des années 70. Excellent. La lune et les étoiles. C'est trop chouette. Bravo à toi, Karine. Celui de Ophélie. Ah, excellent. Trop bien, Ophélie. C'est rigolo, toi, t'as fait plein de petits cœurs dans tes tresses. J'aime bien son petit sourire en coin. Excellent. Ago. Oh, j'adore. Effectivement, on a une seule tresse, mais il y a une tresse quand même. Hein. J'adore tes yeux. Je trouve que, en fait, t'as assumé un graphisme. Ouais, c'est toi qui as décidé de faire les yeux comme ça. Parce qu'en fait, j'adore le graphisme.
C'est hyper chouette. Mouah. Ouais, bravo. Celui de carreau. Oh, waouh, il est beau, carreau. Bravo à toi, il est superbe. Très fin. Christelle. Oh, elle est chou. Bravo, Christelle, elle est super mimi. Laurence. Je crois que je n'avais pas fait de live, merci. Hélène, au fait, il s'en passe. Raconte, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital de Limoges, Hélène? Je suis pas sûr. Attends, je l'ai pas vu. Waouh, wow, super, Laurence. J'aime beaucoup là, les mèches avec les étoiles. On est entre les mèches et les boucles d'oreilles, ça marche bien. Celui de Léane. Oh, génial. Très, très sympa ton style graphique, Léane. Celle de Betty. Oh, excellent. Bravo, Betty, j'adore. Hein, vous avez vraiment tous votre style. Gabrielle. Il y a Stéphanie qui dit faudra attendre pour avoir la réponse d'Hélène. C'est vrai. J'étais à... Bon, elle répond pas. Ah bah oui, c'est vrai, elle a 20 minutes de décalage. Bravo, Gabrielle. Trop chou. C'est Gabriel qui voulait un cerf, du coup il nous a fait un joli cerf. Très très beau. Christelle. Oh, j'aime trop Christelle. J'adore cette grande bouche, ça crée... Ça fait vraiment un... Je sais pas, j'aime bien ce que ça crée comme, comme ambiance à ton dessin. Celui de Roselyne. Oh, jolie Roselyne. Tes yeux, ils sont incroyables. En plus, ah ouais, t'as fait des étoiles aussi. Oh, excellent. Trop beau, Rosine. Celui de Kiki. Kiki. Trop bien. Excellent, Kiki, Cricri. Trop chouette. Celui de Anne. Qui ne l'a pas terminé. Eh ben, il est déjà hyper beau. Hein. Vous avez assuré. Hein. Celui d'Isabelle. Waouh. Oh, Isabelle, c'est magnifique à chaque fois. Ah ouais, c'est une étoile filante en fait. T'as vu? Elle a fait le trajet autour de la lune pour arriver sur ses cheveux. À chaque fois, t'as des idées... T'as des idées ultra magiques. En fait, j'adore ce côté de voir le dessin, tu vois, qu'on a fait tous ensemble avec tous ces petits plus là. Oh, t'es vraiment douée, Isabelle. Celui de Delphine. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup. Super chouette. Waouh. Il est vraiment bien, les proportions sont bonnes et j'aime vraiment beaucoup les cheveux. Très chouette. Celui, Julie. Excellent Julie. Premier live à la demande de ma fille qui les fait tous. Oh, c'est génial que tu l'aies fait avec ta fille. C'est trop bien, ça devait être un bon moment. Et franchement, bah, t'as assuré. Hein. Il est super chouette ton dessin. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et enfin, celui de Michel. Oh, j'adore. J'adore l'ambiance que t'as créée, Michel. Ah, puis c'est pareil, t'as fait un peu étoile filante. Oh, il est très très chouette. Hein. Bravo à toi, Michel. Petit retour sur le lion d'Ophélie. Non, oui, vous voyez le passé. Voilà. Le
Lion d'Ophélie. Pourquoi t'as... Ah, parce que je n'avais pas validé. Ok, devant moi. Alors, on commence. Le lion d'Ophélie, dont je disais. Trop chouette, Ophélie. Allez, ça rend trop bien. Et enfin, le lion de Stéphanie. Excellent. Ça marche super bien. C'est toujours chouette aussi de découvrir vos mises en couleur. Et ben, on a eu plein de beaux dessins encore ce soir. Franchement, je suis trop contente. Tu veux finir ta mise en couleur ou pas? Ouais, Caro, t'as raison, il y a des sacrés talents. Peut-être, ouais. N'hésitez pas si vous avez envie de poser des questions, de dire des choses, et puis peut-être qu'on saura du coup ce qui se passe à l'hôpital de Limoges si Hélène réussit à nous rattraper. Hop. Bon bah ouais, je continue un peu ma mise en couleur du coup. Pour ceux qui s'en vont, je vous rappelle que demain il y a deux lives. Il y en a un à 17h30 avec la fée corsetée qui vient faire le cours de dessin avec nous à 17h30. Voilà. Et à 20h30, live exceptionnel avec plein d'invités. J'ai peur de citer parce que j'ai peur d'en oublier. Mais Ago, Gribouille, Missilou. Color Fila et Céline Color. C'est Céline ? Je suis incapable de te dire, j'ai pas. C'est ça ? Ago, Gribouille, Missilou, Color Fila, Céline. Il m'en manque une. Non ! Il n'y a pas une Marie ? Sinon, elle peut pas, je crois. Ils sont 6. Ah ! Bon, il m'en manque une. Mais peut-être Ago va te le dire. Qui c'est que j'oublie ? Ah mon dieu ! Où est-ce que j'ai l'info? Evergine Colo, merci. Désolé. C'était risqué de tête. Excuse-moi, Virginie. Mais tu l'as tenté, c'est pas mal. Ouais, c'était bien Céline et c'est Virginie que j'ai oublié. Virginie Colo, ouais, j'ai de tête. Laure, j'ai une question. Tu peux nous montrer le Wingdover 23 céleste avec la lune et la maman et son bébé? Ah oui, je l'ai retravaillé. Ah ben oui, tu as pas vu, t'avais pas vu la mise en couleur du coup. Attends, je finis juste de mettre et je te montre ça tout de suite. Comme ça, tu pourras me dire en direct comment tu le trouves. Hop. Hop. Il y a une qui dit, j'ai un peu oublié l'histoire, mais il y a eu un mort, Laure et Sam vont me dire, ouais non. Quoi? Bah en fait, je suis pas du tout, l'actualité. En fait, on est complètement... Moi, ça me déprime trop et je vous avoue... Déjà, j'en sais beaucoup trop, je trouve, en n'ayant aucune info, rien du tout. Ah non, j'ai mélangé des trucs. Ça, c'est pas là. Parce qu'en fait, j'ai rescanné les dessins ce matin parce qu'il y en avait plein qui n'étaient pas... Alors voilà. Voici le céleste en couleur. Ma fille de 13 ans fait tout et live. Ce soir, nous l'avons fait avec elle et avec la petite de 9 ans. Qui espère voir son dessin dans un live. Mais vous l'avez envoyé? Pourquoi on l'a pas vu? Pourquoi tu dis qu'elle espère voir son dessin dans un live? Parce que normalement... Bonsoir. Normalement, on les regarde tous. Ah, alors, c'est Joy? 9 ans, ouais, c'est ça. Pourquoi on ne l'a pas vu? Bah, parce qu'ils l'ont envoyé après qu'on regardait. Donc... Ah, mais on va le regarder tout de suite, Joy, ton dessin. Tout de suite, dans quelques secondes, tant que le... Prépare, hop, et voilà. Joy, nous avons les premiers dessins en live. Eh ben dis donc, bravo Joy. C'est incroyable ce que t'as fait. Tes yeux, ils sont super symétriques. Enfin d'ailleurs, ton visage, il est très symétrique. C'est hyper dur à faire. En plus, t'as 9 ans. Je suis très très impressionnée. Bravo à toi Joy. C'est un incendie à l'hôpital. Il faudra que je regarde ça quand même. Ah, je suis contente qu'il te plaise, Delphine. Trop bien. Oui. Merci, Audrey. Merci, Audrey. Et du coloriage. Trop bien.
C'est cool de savoir que ce cahier de coloriage va bien voyager et qu'il sera entre vos mains. Ça fait trop plaisir. Allez, on se rapproche bien des 500 là. On va le faire, on y croit. On va peut-être dépasser les 1000 cahiers de coloriage vendus dans la campagne. Ça, ce serait vachement cool. On est à 949 là. Oh, trop bien. 51 cahiers d'ici mardi soir, c'est possible. Eh bien, je croise les doigts, ce serait vraiment trop cool. De toute façon, quand je mets de l'aquarelle comme ça, je pourrais quand même pas finir parce que pour mettre du crayon dessus, il faut que ce soit vraiment ultra sec. Là, je ramène un peu de blanc. Pour ceux qui n'ont pas lu la news, voilà, 400, on n'est pas loin d'ailleurs, on est à 87, c'est quoi, c'est 90, 95. 495, c'est l'équivalent du montant qu'on a fait l'an dernier et donc, qui débloque un live spécial concert avec la part des anges en novembre, parce qu'on ne pourra pas le faire d'ici la fin du jeu. À 500%, il y a une carte à colorier. Et à 600%, il y a une nouvelle carte d'art. On s'est dit, pourquoi pas. Viséo. Voilà. On y croit. Peut-être 600%, c'est possible. Après, Ophélie, de toute façon, si ta carte prend du temps, dès mercredi matin... Ça sera en vente sur la boutique. Patrick, il faut que tu fasses tomber la chemise pour les quêtes de coloriage, ça va booster tout. Demain, est-ce qu'on dit... Oui, c'est ça, c'est demain. Ouais. Est-ce qu'on verra les autres, du coup? Non. Ah mince. Oh mince, on va pas pouvoir te voir torse nu, Patrick. Non, bah non, il y a pas... En fait, il n'y a pas un tel... On est en audio. D'autant que Patrick sera en live aussi. Il y aura 2-3 lives en parallèle. Mais sur son live, les gens pourront peut-être le voir alors. Mais je... Ouais, je sais pas trop s'il va arriver à... Je sais pas, au niveau de son montage, qu'est-ce qu'il va montrer. Mais en théorie, vu qu'il se filme quand il dessine, il est censé pouvoir se filmer, plus montrer l'écran de son ordi avec OBS. Mais je sais pas s'il va le faire. Sur le prix, c'était à quelle heure, j'ai pas entendu. C'est à 17h30 avec la fée corse sautée. Et à 20h30, il y a une soirée spéciale. Je lui dis que c'est sympa comme activité, mère-fille, je le referai. Je vous ai découvert avec des coupons de tissu. Et j'ai encore quelques-uns à coudre. Ah, cool. Génial. Eh ben ouais, n'hésite pas à le refaire avec ta fille. Effectivement, je trouve que c'est des temps qui sont hyper sympas à partager. 15h30 demain, j'ai dit quelle heure, moi, depuis tout à l'heure? Oui, c'est 15h30, hein. T'as dit quoi? Attends, j'ai dit quoi? 15h30 ou 15h30? Je sais plus. Vous me mettez le doute? Je croyais que c'est 15h30. Oui, c'est 15h30 avec... Oui, c'est 15h30. 15h30, c'est jeudi. Oh là là! J'ai des bêtises. Oui, c'est 15h30, merci de me corriger. Il est fatigué à tout quête. Et puis je me mélange les pinceaux parce que lundi, on est à 5h30 pour les gens qui travaillent le lundi. Mais demain, la fée, c'était plutôt l'après-midi. Je m'y perds à force. Ouais, et puis même, on avait dit qu'un dimanche, c'était pas mal un peu plus tôt. Donc, du coup, demain, nouvelle heure, qu'est-ce que ça va donner? Attends, en direct. 15h30, ouais. Oui, 15h30! Désolé! Comment tu cries? Et pas 17h30, Sam, alors. Oui, non, mais non, je me suis trompé. Non. Il y en a qui vont Tu penses qu'il y en a qui vont se planter? Ouais, à la fin du live, j'ai annoncé... Bon, après, si les gens qui sont sur YouTube, vous avez l'alerte... Vous pouvez marquer, cliquer sur le bouton m'avertir et vous avez une alerte.
Les colos by Clara. Lundi, si je réalise un live, je ferai une colo de toi alors. Et je ferai une petite pub pour le Lulu. Oh, merci beaucoup. C'est hyper chou. On a failli louper à cause de toi. Ouais, je suis désolé. C'est jeudi que c'est mieux. C'est sur le Discord et c'est sur... Regardez comment il essaye de vous rejeter la faute. YouTube, hein, non, je ne vous jette pas la faute. Je dis que... Méfiez-vous. Et comme, au moins, sur YouTube et sur Discord, c'est écrit, quoi. Sachez que Sam n'est pas... Infaillible. Bon, pas 100% satisfaite du résultat, mais au moins, je l'aurais fait en entier. Oh, je suis trop contente, Yoru. Tu m'enverras ce que t'as fait ? Avec un vrai perroquet pour de vrai ago. T'as pas de perroquet chez toi. T'as déjà tout. T'as déjà beaucoup d'animaux, mais il me semblait pas que t'avais de perroquet. Y a Stéphanie qui dit qu'on reçoit pas toujours les notifications. Ah, bah après c'est YouTube, hein, j'y peux rien. Y a Pipip qui dit désolé pour le malentendu avant. Il y avait un malentendu? Je crois que c'est par rapport au fait que par l'événement. Non, ah, il y a Yoru qui l'a envoyé. Ouais, excellent. Tu l'avais sur l'épaule, le perroquet ? C'était un perroquet à toi ou c'est quelqu'un qui te l'a prêté ? On en avait un pendant quelque temps, celui d'une amie. Oh, trop drôle. Demain après-midi, c'est 15h30 avec la fée corsetée. On fera peut-être une story non, sur Facebook. Ouais, je pense que je vais peut-être faire un petit message. Je me prendrai en photo avec Nadia et puis je le mettrai partout. Colo du rue. Ah, génial! Il est trop bien! Ton fond, il est super beau. Il est très doux et j'aime beaucoup la texture. Et ta machine à coudre, elle est superbe. En blanc et doré, comme ça marche super bien. Ouais, c'est 15h30. Je confirme, 15h30, c'était ce qu'on a marqué partout. On a dit à bien à 15h30 demain. Ah non, c'est pas Epipip qui a dit navré pour le malentendu. Non, c'est oui. C'est Witabix. Ça veut dire quoi, Witabix? Je serais curieuse de savoir d'où vient ce pseudo. Oh my god, je suis partie en cacahuète avec la couleur. C'est punk. J'ai hâte de voir ce que t'as fait, Rosine. En fait, j'ai vu madame toucher son ventre et j'ai cru qu'un heureux événement allait arriver. Étant papa depuis 14 ans, d'anciens souvenirs sont revenus à mon esprit. Ah. C'est vrai. En fait, c'est parce que j'ai du gras. Et j'arrête pas de me toucher les bourrelets, en fait. C'est terrible parce qu'en fait, quand on est en live comme ça, on se rend pas compte les petites manies qu'on a. Mais non, non, pas d'heureux événements. Trop drôle. T'as vu, Yori, il y a tout le monde qui te dit bravo. Oh, ça devait être drôle. Le perroquet qui faisait du bruit en live. Voilà, c'est un événement qui marque dans une vie et je félicite toujours les jeunes mamans. Ah, ça, c'est sûr. Bon, ben, ouais, on en a eu deux et je trouvais que c'était assez. Du coup, t'es papa... T'es papa d'un ou deux enfants? Ou plus? Nous, ça a été quand même super dur au début. On est des gros dormeurs et franchement, mais un bébé, c'est de la torture. C'était hyper dur et
On se sentait pas de... Enfin, c'est ouf, parce qu'à la fois, le côté bébé, mais c'est juste magique, c'est trop mignon. J'adore ça. Mais vraiment, le côté nuit... Ou alors, il aurait fallu que j'ai une nounou qui soit là et qui gère les nuits, quoi. Si j'avais été riche et que j'avais pu payer quelqu'un pour garder mes petits la nuit, là, j'aurais pu avoir 15 enfants sans problème. Mais non, c'était chaud quand même. Ah, merci Yoru d'avoir remis la... Coucou Super Touf, j'adore ton pseudo aussi. Du coup, t'es arrivé ici... Je vois que c'est ton premier message sur le chat, c'est que tu viens de découvrir. Ici sur Twitch, on fait des dessins étape par étape. Et là, je suis en train de faire la mise en couleur du dessin qu'on a fait tout à l'heure. Je suis arrivée parce que Remingo m'a parlé de toi. Oh, excellent! Trop drôle! Il t'a montré le dessin qu'il avait fait, il m'a demandé de lui envoyer un scan. Du coup, je lui ai envoyé un scan tout à l'heure. Hier, je veux dire. C'est trop beau ce qu'il nous a fait faire. Je suis un des trois noms sur la couverture de Perché. Ah, ok. Bah, félicitations. Hein. C'est un super beau projet. On l'a vu. On l'a regardé un peu. Enfin, on a vu le tome 1 en live l'autre jour. Et du coup, on a commandé les deux. Du coup, ça va? Vous êtes content des retours sur votre Ulule? Oui, Tabix, j'ai eu deux garçons de 7 et 10 ans. Et ça passe super vite. L'année prochaine, ils rentrent au collège. Ouais, mais Anne, je sais qu'il y a plein de gens qui disent que... En vrai, ce qui est très drôle, c'est que avec Sam, on disait ouais, au bout d'un an, il fait toujours pas ses nuits. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que pour certaines personnes, un bébé qui fait ses nuits, c'est un bébé qui dort. C'est un bébé qui dort 6 heures en fait. Sauf que nous, 6 heures, c'est pas une nuit pour nous. Pour nous, un bébé qui fait ses nuits, c'est un bébé qui dort 9 heures. Du coup, Anne, elle dormait combien de temps? C'est ça la vraie question. On est en plein dedans. On sera un peu plus détendu quand on aura atteint les 100%. Ah, mais vous n'êtes pas loin là. Je suis allée regarder aujourd'hui. Vous n'en êtes pas loin du tout. C'est sûr que vous allez les faire. En plus, il vous reste 15 jours. Oui, d'ailleurs, s'il y en a qui sont là et qui veulent aller voir... Ah, bah, t'as été voir, du coup, Yoru. Trop drôle. Vous pouvez aller voir sur Ulule, il y a le projet de Remingo. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je tape Ulule Remingo. Ou sur Ulule, vous pouvez chercher Parole de chat. Ou sinon, Sam va mettre le lien. Ah, bah, c'est bon, elle l'a mis, Yoru. Oh, oui. T'es trop fort, Yoru. Et du coup, ouais, vous n'hésitez pas. Je sais qu'il y en a plusieurs là de la communauté qui sont allés et qu'on. Mais on a vu plein de noms qu'on connaissait. Ouais, on a été voir après le live si vous étiez intéressé au projet et on a reconnu les noms. Donc voilà. Et s'il y en a qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir parce que ça c'est trop bien. Et puis j'avoue qu'en plus, Remingo, il a été juste trop adorable. On a passé un super moment avec lui. Et que du coup, ça fait. Ça rend le projet encore plus beau. Je viens de mettre le lien, là. Tu sais, quand tu mets un lien, et quelqu'un juste en dessous qui dit « Tu peux nous mettre le lien, s'il te plaît ?» Oui, mais ils ont un décalage. Mais non,
Dans le chat. Dans le chat, il n'y a pas de décalage. Mais non. Alors, ouais, ou alors, c'est qu'elle était en train de le taper. Elle était en train de taper et ça s'est croisé. Ouais. On peut développer les textos qui se croisent. Les chats de Ringo, ils sont tellement choupis, je suis trop fan, mais il ne faut pas le dire trop fort. Mouah. On a eu un bisou sans savoir qui c'était. Qui a fait un bisou? C'est pas apparu? Si, si. Non, ça s'est pas apparu. Il fait tellement bisou que ça apparaît plus. Quoi. Stéphanie, un bébé qui dort 9 heures et qui met des smileys morts de rire. Les Colobacara, moi, c'était le bonheur les nuits. Comme les chats, en fait, 17 heures de sommeil. C'est des ados. Moi, ils faisaient le tour de l'horloge. Non, arrêtez. Ah, tu vois qu'il y a un décalage. Tu m'as crié l'autre fois, Sam. Non, dans le chat, il n'y a pas de décalage. Ah. Coucou, Céline. Merci, Delphine. Bon, je sais pas qui est arrivé. Ouais, il est presque 11h. Je pense que je vais arrêter là. De toute façon, ça va sécher. Si vous pouvez voir ma question, mon pseudo remonte à longtemps. À l'origine, c'est des céréales Weetabix. J'avais envie de mettre la touche française. C'est des Weetabix, mais écrit à la française. Allez. Des céréales. Je pas Weetabix. Donc, bon, du coup, c'était des céréales que tu devais bien aimer, alors. C'est rigolo de choisir un nom de céréales. C'est super original. Je trouve ça trop rigolo. Moi, j'aimerais bien m'appeler Benko. Non, c'est dégueu. Mais pourquoi t'as choisi ça, du coup? En plus, il fait peur quand il nous gronde ça. Non, mais c'est clair. Il fait... Coucou, Nathan. Ouais, même moi, je peux vous dire, il me fait peur quand il me gronde. J'ai normalement réussi à motiver ma maman de 65 ans, mon copain et ma nièce de 4 ans pour le live de demain. Trop bien, ça va être cool, Céline. À 15h30. Hein. Stéphanie qui dit, il fait peur, oui. T'imagines? Merci, Gabriel. Nathael, pardon. Les céréales Weetabix d'autrefois. C'est comme le caca des pigeons. C'est caca, faut pas manger. Oui, mais du coup, pourquoi t'en fais de la pub? Bonne nuit, Martine. Ouais, on va s'arrêter aussi là. Ah, il y a Sam qui est en train de chercher. Mais il n'y a pas vraiment. C'est peut-être celui-là. Oui, moi aussi, l'autre fois, il a râlé parce que j'avais envoyé un coloriage hors sujet. Je me suis fait toute petite. T'en fais voir, ça sent la ref à Kaamelott, ça. Ah, d'accord. Ah bah dis donc, super touf et Weetabix, vous avez été synchro. On dirait... Ah oui, t'as raison, ça fait très sirène, je suis d'accord. Bon, c'est bon, j'ai trouvé un streamer qui vous envoyait. Bonne nuit les Coloba et Clara. Eh ben, tu mangeais des Weetabix, tu étais nourrie pour 15 jours. Ah ouais, trop drôle. Remarque, c'est pareil, quand je fais un live, ça bronche pas, je vous le dis. Pourquoi j'ai du mal à y croire, Ago? Bon, ben, en tout cas, je vous souhaite une très bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Et je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et demain, on se voit beaucoup, beaucoup. Et ça va être trop bien. Salut, à demain. À demain, 15h30.
Thank you.